Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Vous savez qu'il y a énormément de gens qui quittent la France et nous, on va devoir quitter la France aujourd'hui. C'est notre dernier jour en France. On a décidé de faire une vidéo pour avoir des souvenirs aussi, pour qu'on vous partage qu'est-ce qui va se passer. J'ai dit à Myriam et Yacine de se préparer parce qu'on va passer une journée vraiment incroyable et je vais leur annoncer où on va finir après cette journée. Là, c'est nos derniers jours, demain avion. Aïe aïe aïe, c'est parti. Vas-y les gars, faites pas la gueule, on se prépare, on va sortir là. On va vraiment se faire approfondir. Oui, là, c'est notre dernier jour. Non. Là, je vous emmène, on va aller faire des courses, acheter ce que vous voulez pour votre dernier jour en France. On va passer la journée, c'est le dernier jour là. Je peux acheter une Apple Watch. Non, mais Myriam, des affaires pour là-bas. On va où? Je vais vous donner des indices tout au long de la journée et vous allez devoir deviner, les gars. Et dans les commentaires, vous allez devoir deviner. Je vous laisse vous préparer, je vous emmène au magasin, vous achetez tout ce que vous avez besoin. Ça doit être ça. Là, sur ta droite, t'as plein de centres commerciaux. Comme ça, vous achetez ce que vous voulez. Ok? C'est du jour au lendemain, on quitte la France comme ça, sur un coup de tête. C'est comment? C'est comme ça la vie, tu auras de garer vers là-bas. Myriam? Vous achetez ce que vous voulez, ok? T'as pris ton sac, c'est bon? Yunus, on va où là? Bah là, je t'ai dit, tu prends ton sac, t'achètes ce que t'as besoin pour quitter la France. Non, on va tout de suite en voyage là? Non, l'avion, il est demain, l'avion. Mais comment ça, demain? Demain, l'avion, il est à 22h demain. Là, c'est pas comme ça la vie, Younes, faut prévenir les gens. Là, tu vas te garer là, je te préviens, là, on fait des courses. Prenez ce que vous avez besoin. J'ai pas envie de partir. Mais Younes, on achète quoi? Je comprends pas. Prenez ce que vous avez besoin pour 2, 3, 4, 5 jours. Des affaires de survie quoi. Du quinoa. Toi Myriam, achète des affaires aussi, d'accord? Je me rappelle le jour quand j'étais petit, les gars, mon cauchemar. On rentrait de l'école, mon père il vient nous chercher. Ok, c'est bon, on déménage. Du jour au lendemain, comme ça, on est même pas au courant. Ah oui, je me rappelle, la maison elle était vide. Et après, on part en voiture, on va directement dans l'autre maison. Oh là, dans le. Non. Tu veux vraiment prendre des Oreos pour partir? Tu quittes la France, toi tu prends des Oreos. Dans ce pays, il y a des Oreos. Est-ce que dans ce pays il y a des Oreos? Je crois pas qu'il y a des Oreos, frère. Est-ce qu'il fait chaud? Ouais, ça va, il fait chaud. Oh Myriam, les madeleines comme ça, elles ont l'air incroyables. Les madeleines. Le chocolat en dessous. Moi, je suis pas fan de ça, perso. Les prendre dans le chocolat chaud, c'est trop bon. T'étais pas fan de ça, c'est incroyable. Mais vas-y, les Oreos. Brownie à la française. En plus, c'est. Ah, ça vous fera un souvenir de la France, ça vous fera un souvenir dans la France. Moi, je prends une bouée pour là-bas. Mais une bouée, je t'ai dit de prendre des affaires pour survie. Tu me parles de bouée. Ça va te donner à manger, la bouée? Mais les gars, on va aller où? On va aller où? Ouais, un sac comme ça pour la survie. Ça vous servira plus. On va dans la forêt. Ah mais Younes, tu fais quoi là? Prends des caleçons. Non mais ça faut pas filmer par contre. Mais y'a vraiment pas de caleçons là où on va? Non, c'est personnel, j'ai besoin de caleçons. Yacine, arrête de filmer ça. Et tu prends quoi? Tu prends des caleçons Spider-Man ou je rêve? Ah, je suis en super. Oh héros. Là là. Fais-moi prendre l'avion et qu'on quitte la France, Younes, s'il te plaît, chez nous. Mais ça y est, c'est réservé, j'ai payé, ça y est. C'est où? Tu verras. Posez des questions, je vous ai dit, moi je dis pas. Moi je viens pas. Mais t'es obligé de venir, j'ai mis ton nom, y'a ton nom Yacine. Et toi y'a ton nom Myriam et y'a même maman qui vient. Oh, maman aussi? C'est-à-dire si y'a maman qui vient, c'est que ça doit pas être un truc trop. Y'a combien d'heures de vol? Y a entre 2 et 5 heures de vol. C'est quoi la Marseille, l'avion? Marseille. Bah c'est Air France vu qu'on quitte la France. Air France. Ouais, Air France. Ça vous fait un autre indice, normalement vous devez savoir. Tiens, tu pourrais prendre ça pour un petit collet de bienvenue pour là-bas là. Ah attends, ça donne un indice. Ah Hawaï. Ça s'appelle les paradisiaques. Les îles paradisiaques? Non, c'est pas là-bas. Bon, prends ton casque et on va continuer. Mais si j'en aurais besoin, si je suis stressée dans l'avion. C'est quoi ça fait voir? Mais qu'est-ce que c'est, une chipolata géante verte? Ouais. Ça, c'est des anti-stress. Ouais. Non, mais tu seras pas stressé, t'inquiète. A few moments later. Je sais que cette journée elle est compliquée, Myriam, pour ton dernier fast-food. Où est-ce que tu veux aller manger? Je sais pas, pizza, kebab, burger, ça va tout me manquer. Bah c'est toi, fais un choix, soit l'un, soit l'autre, je sais pas, c'est toi qui vois. Eh les gars, vous faites quoi pour votre dernier fast-food? Moi je veux un truc fait maison, US. Tu veux fait maison? Oui. Et alors je t'emmène dans un fast-food où il y a pizza, burger, il y a tout fait maison et tu choisis ce que tu veux. Ok. Hey Younes, là où on va, il y a des poutines, il y a des burgers. Hey, je te dis, là où on va, il y aura à manger, mais je sais pas, il y a quoi. Donc là, fais bien ton choix, c'est ton dernier fast-food en France. Je sais pas, regarde les burgers, ça se trouve, ils en vont pas là-bas dans leur pays. Hey les gars, il y a des burgers de zinzin. Je sais pas quoi prendre. Non, un bon kebab, un bon burger, je sais pas, c'est toi. Ou alors, on a. Ah non, pas de salade, elle a dit pas de salade. Viens, regardez des pâtes. Est-ce que je t'ai menti dans le restaurant, je t'ai dit, il y a tout? Non, il y a tout. Myriam, ils sont en train de préparer les commandes là, ça va être une dinguerie. Alors, les gars. Je vais te poser une question, là c'est de la question. T'as le droit qu'à une seule question. Est-ce que là-bas ils sont forts en bouffe? Ils sont aussi forts que la France. Quoi? Mais la France, je sais, là, en fait la France c'est la numéro 1 dans la bouffe les gars. La France, là on a French Cantine, c'est la numéro 1. Tu peux y aller, tu peux y aller, son dernier fast-food en France les reilles. T'es chez toi ou... Les amis, pour son dernier jour en France, on a décidé de faire un petit pique-nique. Regardez, la route, elle est juste là. Des petites aires de pique-nique. Qu'est-ce que t'as pris pour ton dernier fast-food? J'ai pris des frites au cheddar. D'ailleurs, ils ont pas trop blindé le cheddar. Mais t'es sérieuse, on quitte la France, tu prends des frites au cheddar? Là, après, j'ai pris des nuggets. Je sais pas pourquoi ils ont mis de la salade. Un petit tiramisu fait maison. Hey, tout est fait maison, les. Tu commences par les nuggets. Oui. Eh les gars, je pense que le pays où on va, c'est le Canada, parce que il va pas dire de prendre une poutine. Elle se prépare à faire son dernier. Pour le dernier gros, là, ça c'est la dernière poutine peut-être que je vais manger. Ou alors peut-être qu'on va au Canada et peut-être que je vais manger une autre poutine. T'imagines, la bonne poutine fondante, les gars, ça c'est trop la base. Oh, en dessous, il y a des trucs. Regarde si en dessous, il y a des trucs. Ou c'est que... Non, c'est que des frites, je suis un ouf. Oh là là, le combo magique, les amis. Bismillah. Waouh, quelle fondante. Oh là là. Moi, j'ai décidé de prendre des bonnes pâtes.
un bon steak. Regardez le steak. Oh lolo lolo. Eh bah attends, du coup on va en Italie vu que t'as pris des pâtes. Non, c'est pas l'Italie les mecs, j'aurais bien aimé les pizzas, les pâtes, mais c'est pas l'Italie. On va goûter les pâtes les amis. Faut rester. C'est le micro. Mélange pâtes poulet. Pâtes. En plus là où on va les gars, je donne un deuxième indice. Incroyable. On mange souvent avec les mains. Oh. Bismillah. La France. Les Français, profiter de la bouffe, c'est incroyable. Pas de déranger, mais il y a ton ami à côté. Oh non, 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 non. Mais il est gentil, il est gentil. Que un bout, parce que c'est mon dernier jour en France. Tiens, un bout. C'est bon, c'est bon. Ça va? T'inquiète, je t'ai donné à manger. Normalement, je suis ton ami. N'aie pas peur, c'est un petit chat, il mange son poulet. Ah, laisse-le manger. Fini, fini, fini. Vite, ses potes, ils vont arriver. Ils vont tout nous taper notre repas. Ah, mon petit, il appelle tous ses potes. Oui. C'est bon maintenant, c'est bon, c'est bon maintenant, c'est bon. Il a pris mon assiette. Il m'a haga, il m'a haga. Le couteau, il va se couper la langue. Attends, attends, beau gosse, vite fait. J'enlève ça. Enlève la fourchette aussi, il va se couper. Il va pas se couper avec une fourchette. Sérieux. Attends, beau gosse, j'enlève ça. Boire sa coche, boire sa coche. Eh, hey, t'as pas un couteau? Bah là, il y en a un là. Non, mais il a mis sa bouche dessus. Regarde, Myriam, derrière toi, il y a qui? Viens voir. Bon, nous, désolé, on doit partir, on quitte la France. Pour notre dernier jour en France, on va faire un foot avec Myriam, on va faire un 1vs1. Eh, mais attends, Younes, il est parti chez le coiffeur. Peut-être qu'il va se marier là-bas ou dans le pays. T'es sûr qu'il est parti chez le coiffeur? 1vs1, mais vu que je suis trop fort et je suis le meilleur joueur de la famille, à chaque fois que j'ai la balle, t'as le droit de me lancer un défi spécial. Par exemple, tu dois faire un 1vs1, j'ai un petit pied gauche. Vas-y, tu dois jouer les yeux fermés. Dommage. Les gars, vous savez, là on va partir et bah le stade de foot il va trop nous manquer, donc faut qu'on profite à fond. Ouais, c'est des malades. Voilà. Nos prochains propriétaires, j'espère que vous allez prendre soin de notre terrain de foot, parce que c'est notre petit bébé les gars, j'ai trop le seum de le quitter. Premier qui fait un truc, c'est lui. Ah, un balle de match. Pas de voir. Défendre en restant l'alphabet. A, B, C, D, E, F, oh my god. Non. Là, tu vas devoir défendre en te tirant les cheveux. Ok. Ouais, j'ai gagné. Vous tapez un vrai foot, machallah. Oh, t'as été chez le coiffeur. Là, j'ai fait... Tu te maries dans l'autre pays, c'est pour ça. Tu vas te marier, frère. Mais n'importe quoi, j'ai été faire une petite. Eh, tu te maries pas avec une femme qui a deux pieds comme ça. Est-ce que ouais, dans le pays où on va, ils sont forts au foot? Ouais. Sérieux? Oh, peut-être que je peux devenir pro alors. Très technique. Ouah, c'est le Brésil. Oh, se trouve, c'est le Brésil. Oh là là, je peux devenir professionnel peut-être du foot. Ça se trouve, qu'on va au Portugal voir Ronaldo. Maintenant, Brésil, je pense. Ils sont techniques, le Brésil. Peut-être en Arabie Saoudite voir Ronaldo. Myriam, arrête, on va quitter la France. Tu commences à faire des trucs comme ça. Faut qu'on... Faut qu'on quitte la maison, Myriam. Tu veux quoi? Il va rater l'avion. Ah non, l'avion, c'est demain. Tu vas rater l'avion. Recule. Encore. Au pistolet. On va chercher le pistolet. Toi, t'es une haga. Coucou. A few moments later. Eh, ouvre ta valise pour voir t'as mis quoi dedans, toi. Non. Vas-y, ouvre, on va voir ce que t'as mis dedans. Mais quoi? Mais tu te crois où? Il a dit on va quitter la France. Tu prends deux paquets de chips et une trousse. Et un Uno. Il a dit des trucs de survie, Myriam. C'est pas drôle. Tu as vraiment pour survivre avec ça? J'ai pris ça, des buckles. Ça, les buckles, déjà, c'est bon pour l'avion. Chaque jour, je mange une buckles. Et il y en a 1000 dedans. Ça, c'est mes lunettes. Si je vois plus rien d'un coup. Après, le Uno, c'est pour jouer un petit peu pour tous vous battre. Non, les gars. On va refaire nos valises parce que là, c'est n'importe quoi. Là. Ça, je fais quoi? Bah, tu fais quoi? Mais je joue à la play. On quitte la France. Tu crois, là, on va y aller à la play. Mais tu nous as même pas appelé, espèce de rat. Mais logique, si je vous appelle, vous allez faire que de jouer. Non. Oh, le rat. Les gars, si vous quittez la France demain, vous faites votre dernière partie, non? C'est logique. Laisse-moi jouer. Non, arrête, j'allais changer mon skin. Hein. Eh, c'est toi qui nous a imposé de quitter la France si tu nous laisses jouer, Younes. Prends un skin qui nous donne un indice où on va. Je vais prendre un skin qui va leur donner un indice où on va. Le Canada. Madame Trèfle. Mais non, l'Irlande. Mais l'Irlande. Moi, j'ai pas envie d'aller en Irlande. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes des détectives nuls. Dites-nous dans les commentaires, les gars, votre avis, c'est quel pays, je comprends. Ah, mais vu que là, tu t'es levé, moi, c'est moi qui joue. Hein. Arrête. C'est ta dernière game, mon gars, profite. Et si vous êtes nuls, je reprends la play, je joue là, je vous laisse un peu. C'est Yacine, après c'est moi, après c'est toi. Non, arrête, moi je suis plus grand, c'est moi qui joue en premier, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont tous en train de l'attaquer, les gars, c'est Yacine Code Familiar, vous avez reconnu. Défoncez-le. Il est chaud. Oh, il est en train de le shit-talk. Yes. Voilà. Les gars, la play, enfin, je crois que vous manquez pas vous. Ah, mais moi, la play, c'est la base, les amis. Voilà, il est en train de tuer tout le monde. Toi. Allez hop, Noah, ça part, Noah. Pour ma dernière partie de Fortnite, je vais tous les éclater, vous allez voir. Ok, Tu l'as vu. Tire. Ok, 36. Oh, le spam. Oh, 110, elle a mis une grosse balle. Allez, Myriam. Aïe.
aller dormir tôt parce que demain c'est l'avion. Normalement ma valise elle est faite. Et t'as pris des Spider-Man. Mais quoi, t'as vraiment pris des caleçons Spider-Man? Mais quoi, c'est rien, c'est pas bien. Grave. Ça. Ah, ça y est, tu l'as modifié. Ouais, j'ai t'as des claquettes, Star Fallah, elles sont vraiment grosses. Vas-y, hein. Toi, et regardez ça. On va où du coup? Tu verras, bon les gars, ils vont dormir. Toi, tu connais la destination? Eh les gars, regardez, regardez, il est en train de manger des sushis. Mange des sushis. Mais pourquoi vous? Mais les gars, je vous ai dit, c'est notre dernier jour en France, laisse-moi profiter tranquillement. Ok, attends, attends. Myriam, Myriam, Younes, il est en train de manger des sushis, c'est un nouvel indice peut-être. On va en Chine? Au Japon? Ah, Younes, c'est un nouvel indice les sushis? On va au Japon? On va au Japon? Non, justement, là où on va, il n'y a plus de sushis. Il oh. n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas beaucoup, même si tu peux trouver, mais c'est extrêmement rare. Donc là, faut profiter. Viens voir, je vais vous parler de sushis. On a les saumons. Wallah, 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 que je t'en donne pas un, wallah, que je dois tout manger. Oh ça marche dans les deux sens. Hein. Non, vous me voyez déjà dire wallah, je mange pas de dessert. Là, c'est, je suis désolé. Ceux-là, t'as ceux qui te caressent la gorge. Incroyable. T'en manger 1500, tu vas pas grossir. Les gars, c'est vraiment un radin avec ça. La dernière fois, il m'a dit étouffe-toi avec ta couette. Mais si, laissez-moi manger, les gars, c'est mon dernier moment en France. Laissez-moi manger tranquillement. Il est 23h, les gars, je rêve. Posé devant un match. Myriam, il va falloir que tu pars dans ton lit dormir, ça y est. Allez, va dormir. Mais j'ai pas envie de partir. Mais frère, on est obligé, c'est comme ça. Là, tu vas dormir demain, aéroport, avion. Déjà, est-ce que t'as passé une vraie bonne journée avec le chat et tout? C'était marrant quand même. Ouais, c'était bien. En fait, tu laisses une dernière question avant demain. Il y a combien d'heures de décalage? Il y a une heure de décalage là-bas. Une heure? Donc, attends, je vais rechercher sur Google. Bah, vas-y, va dormir, bonne nuit. The next day. Les gars, c'est pas des blagues qui nous a vraiment amené à l'aéroport? En plus, regardez, ça c'est un avion, on dirait l'avion de la Corée. C'est l'avion de la Corée, les gars. Ça c'est l'avion de la Corée, ça y est, on est à l'aéroport, les choses sérieuses commencent. Hier, on a passé une bonne petite dernière journée. Ouais. Maintenant, on quitte la France, les frères. On vous a dit, on prend l'avion à peu près entre 2h et 5h de route, comme je vous ai dit. Aïe, Yassine, il est là. Comment ça? Mais tu fais. C'est trop lourd, frère, j'en ai marre. Mais t'es pas une tortue, pourquoi t'as pris tout ce temps à venir? Il est trop lourd le sac. Mais tout à l'heure il était léger. Pour faire des trucs de survie, bah. Vas-y, ouvre. Il a mis quoi dans son sac, ce fou? Les gars, je crois qu'il y a un avion qui commence à se. Je crois que c'est notre avion. Hein. Ah non, non, on va pas en Corée quand même. Non, on va pas en Corée. Regarde le sac, il y a quoi dedans? Ouais, il a mis grave des bouteilles d'eau. Il me sera sûrement là où on va, il y a de l'eau. Bah oui, là où on va, il y a de l'eau, mais t'es un malade. Il y a de l'eau là où on va. Tu crois qu'on va en Amazonie? Vas-y, dis-nous, c'est où, s'il te plaît. Dis-nous, je suis pas un hagga, je suis pas un hagga. C'est où? Mais dis-moi, moi je peux savoir, moi. Ouais, je vais te le dire. Le pays où on n'a pas été depuis grave longtemps. Bon, les amis, ça va être notre première sur YouTube. Mettez un like, abonnez-vous et mettez dans les commentaires c'est quoi le pays. S'il y en a un, il trouve, c'est un big boss. Je suis même sûr qu'on n'y est pas y allé. Ah, combien de likes tu leur dis? 1000 likes, les gars, on sort la vidéo dans l'autre pays si ça se passe bien, Inch'Allah. Ciao.